Yo les gars, c'est Pada et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Nitrofaction qui est ouvert il y a pas très longtemps. Du coup c'est un serveur faction, l'IP sera en description, enfin elle est simple aussi, c'est nitrofaction.fr. Normalement si vous rejoignez, vous serez dans ce lobby là qui est plutôt beau, on peut le dire. Je viens de découvrir que Bayou d'HT et Asion. Donc je pense que c'est ça doit être les deux builders du serveur. Vraiment du gros travail. J'aurais voulu vous faire une vidéo au moment de l'ouverture, mais bon, il y avait des petits problèmes quoi. Le Discord partait en cacahuète. Le serveur redémarrait toutes les deux secondes. Donc du coup ici on a le serveur faction 1, faction 2 et le minage. Et on a aussi un FFA, on va le tester. Du coup c'est un PVP faction modé. Donc des minerais modés, par exemple ça c'est des épées en IRX, etc. Il y a aussi des épées en émeraude, du step en émeraude. Hop, on va fight ce gars. Bon j'aime pas trop l'FFA parce que genre la plupart du temps je me fais clean up. Oh, en plus il y a des pentes et tout. Ah regardez, voilà, il y a encore un gars qui clean up. Bon, j'espère que j'aurai le grade du dessus après cette vidéo. Et d'ailleurs, merci pour les 400 abonnés. Ça fait plutôt plaisir, quoi. Ah, bah, deux potèdes. J'avais déjà commencé à jouer avant. Et ce matin, on m'avait pas dit que le FO, mais il avait déjà été trouvé. Du coup, bah, comme un con, avec tout mon stuff, ma pioche FI5 U3, avec mon full IRS P4, mon épée Sharp 5, je suis allé au FO. Et là, je vois, il y a un gars qui m'attaque. Franchement, je l'ai fait fly. Sauf qu'il avait du heal, et pas moi. Et ça m'a foutu le son. Du coup, bah, je suis mort avec tout mon stuff. J'ai plus rien et bon ça va, j'ai encore quelques trucs dans mon under chest. Par contre il me faut que je farme de l'XP pour que je chope les 4 et tout. Bon allez, on finit ce fight et après on va aller dans les factions. Bruh. Du coup bah pour l'instant j'ai le grab team, mais je n'ai pas d'avantage avec. J'ai eu le grab team en faisant une miniature pour Minima QC. On va aller en faction. Voilà, on est en serveur faction. Comme vous voyez, bah je suis no stuff. Enfin quasiment non seul. Cet après-midi j'ai un peu miné, mais ouais. Ça va en vrai. Et j'ai encore de l'émeraude. Hein. Je pense que je vais faire c'est. Je vais aller dans ma BP. Et du coup il y a deux sortes de tables de craft. Bon ça c'est la table de craft basique de Minecraft Vanilla. Celle-là, c'est les tables des crafts. Les crafts qu'on peut débloquer. Donc, je disais, cette table de craft, c'est la table de craft modée. Donc, avec, tu peux débloquer certains crafts pour faire ton armure, ton épée, etc. Et tu peux débloquer les crafts avec les métiers qui sont juste ici, en faisant le slash job. Donc, moi, je suis mineur niveau 5. Donc, normalement, je peux débloquer les crafts, sauf que je crois que j'ai qu'un seul blueprint, voilà. J'en ai besoin de deux pour débloquer les crafts. Ça c'est un peu chiant parce que avant les jobs étaient buggés, du coup ils étaient désactivés. Du coup on pouvait faire les crafts sur la table de craft genre sans avoir à les débloquer. Du coup bah, c'est comme ça que j'avais réussi à faire mon full P4 etc. Sauf que je l'ai perdu comme une personne très très intelligente. Je vais faire une boussole. On va au spawn et je vais m'enchanter ma pioche. On va mettre hop efficacité maximum. Ah oui, les niveaux, mes 30 petits niveaux. Tac, je vais juste les utiliser. Hop, 30 niveaux. Hop, on enchante la pioche. Efficacité 5, magnifique. Comment il fait? En plus c'est bien détaillé et tout. Hein. Je crois avant il avait un skin de Shrek. Donc je pense. On va aller miner. Je vais essayer d'up un peu mon métier. On va faire un slash random téléport. Et on est sur un biome chelou. Oh, et c'est notre première émeraude. Plus je casse de minerais comme ça, plus
plus mon métier de mineur augmentera. Je viens de passer niveau 6 en mineur et on va récupérer notre deuxième émeraude, quatrième émeraude et la cinquième qui va juste avec. Oh, du diamant. Et c'est un filon de 2. Nice. S'il vous plaît, dites-moi, il y en a d'autres. Oh, j'ai bien fait de chercher. On va encore miner, genre juste un peu. Et ensuite, on va passer à autre chose. Parce que, franchement, la flemme de, flemme de miner pendant toute la vidéo, quoi. Ah, encore de l'émeraude. C'est ouf. Attends, il y en a d'autres. Je suis sûr, il y en a un autre. Je vous l'avais dit. Il y en a d'autres à côté. Bon, je vais mettre genre niveau 20. Et ensuite, on va... Je pense qu'on va ouvrir, des box. Et non, je suis niveau 20. Non, même pas. Ah, voilà, je suis niveau 20. Donc, à partir de là, pour pas que je perde mon XP, on va faire un sash XP bottle. Et voilà, j'ai une bouteille de 20 XP. On a 47 d'émeraudes. Il me faut juste des blueprints et je sais pas comment on fait. On va retourner en faction. Ah, salut Ninix. Vous ouvrez des box. Un sash vote, vite fait. 23 votes coin et une clé standard. Nice. On va aller au box. Combien est-ce que j'ai des clés slash key? J'ai 4 clés standard et une clé rare. C'est pas ouf. On va prendre une box standard. Intéressant. Un blueprint. Nice. Encore 32. Waouh. 64 bouteilles d'expérience. Oh, un bloc d'émeraude. Ça, on aime. Ça va, en vrai. On a eu bloc d'émeraude, blueprint et 64 bouteilles d'XP. Bon, j'en ai caché une sans faire exprès. C'est pas grave. Box rare et 12 pommes en émeraude. Nice. Alors, en vrai, là, pour l'instant, j'ai 2 blueprints. Du coup, je peux débloquer les trucs en émeraude. J'ai dégagé la boussole de ma main parce que, genre, franchement, c'est... je sens que je vais faire une connerie là avec. Aïe aïe aïe, j'ai quasi plus de place là. En vrai, autant débloquer le plastron en émeraude. Débloquer le craft avec succès, nice. D'ailleurs, on a besoin de blocs d'émeraude pour faire les plastrons et tout. Et bon, ça coûte un peu cher. Mais tranquille, j'ai encore 24. Je savais pas ça, il y avait des tas de... Tête d'enchantement custom. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Le chat qui part en couille. J'espère que j'aurai un petit gratte YouTube. Ce serait franchement sympa. Donc je vous laisse. Et merci pour les 400 subs. Et est-ce que je fais une série sur ce serveur? Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous laisse les gars. Et à la prochaine.